Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand nous pécons concernant Hijra, en même temps seulement nous devons penser, ce n'est pas premier Hijra, veut dire immigration qui peut prendre place dans l'islam. Auparavant, de Makkah, comme en Quraysh, ben habitant de Makkah, tu peux faire beaucoup de répercussions aux gens qui peuvent accepter l'islam. Et là, avec la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je finis quitte Makkah, je finis une place qui s'appelle Abyssinie. C'est ça même qui est aujourd'hui connu comme l'Éthiopie. Je tire le 12 messieurs, 4 madames. Là-dedans, tu as Othman ibn Affan radiallahu anhu, avec son madame, Ruqayya, radiallahu anha. Ruqayya, c'est la fille du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je finis faire Hijra, je finis à l'Abyssinie, et là-bas, alhamdoulilah. Et les rois finis accueillir Zut, en Najashi, les finis d'un Zut. On dirait le confort, je finis vivre bien. Sa personne-là, en Najashi, quand il est décédé, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam gagne une nouvelle. Il sortit, il dit avec son bon compagnon, « Mat al-yom, Rasoulun Saleh, azoujien bon jimoun inmo. » Malgré l'inmo de l'Éthiopie, de Abyssinie, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam recueillit son bon compagnon et il débute, il fait son namaz janaza. À distance. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa action. Qui fait? Il y a un bon djimoun qui dit soit dans lui-même et surtout quand il finit d'accueillir ban sahaba, les autres premiers hijra. Nouvelle vini, ban habitant Makkah finit d'accepter l'islam. Donc ça, c'est espérer son a retourné à ce je te retourne pour vivre. Pour vivre dans Makkah. Les temps, je peux retourner en cours de route, je gagne une nouvelle. Non, c'est un mensonge. Ok. Un bon parti de premier jour, je retourne à Abyssinie. Parce que je connais là-bas, je ne vais pas rester. Je vais pratiquer l'islam bien. Mais un parti de premier jour, les restes qui sont ensemble, je retourne à Makkah. Et parmi là-dedans, Tiena Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc je retourne Makkah, comment nous dire, je retourne de sa bonne difficulté là, de sa bonne étape, de sa bonne problème là. Et ça continue encore quelques mois, jusqu'à ce que je traite devant une permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais là, plus que 80 personnes. À l'Abyssinie, pour la deuxième fois, et je restais. Donc de là, nous trouvons qui ont dès l'occasion, le roi Najashi, il n'a qu'il y a eux. Il finit d'un jour de confort et surtout, je vais pratiquer la religion de l'islam bien, sans aucune représailles aux autres. Donc, de là, nous trouvons, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est son premier hijra, ça c'est son seul hijra, il quitte Makkah et Al-Madina. Mais dans l'islam, avant, fini dans des hijra, des immigrations. Malgré qu'ils deux premiers vers la même destination, mais seulement les fins prend place de la chef frère ou d'un endroit ou d'une place ou d'une la case que où trouvez-vous pas capable reste de l'obéissance à Allah. Connais-les ou dévoue pour bouger. Tant qu'il trouvez-vous, alhamdoulillah, nous donne place que nous ne pratique. Nous dînes, nous sommes de nous azan, nous sommes nous rosa, nous sommes capables de faire nous hajj, connaît et nous beaucoup favé à la loune. Alhamdulillah. Paix n'a aucune sécurité excepté pour l'obéissance à Allah. Donc, tant que nous restons de l'obéissance, sa sécurité-là, sa facilité pour nous continuer la pratique de religion-là, pour être garantie à nous. Mais les jours, les moments, les qui nous quitte, nous l'obéissance, nous, aujourd'hui, de nos jours,
excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève sa sécurité-là, et nous trouve de plus en plus les difficiles pour un musulman de pratiquer ça, de pratiquer ça, ce dîne, profiter tant qu'il y a une facilité-là, reste de l'obéissance à Allah, continue même après le mois Ramadan, afin qu'il fasse Allah pas être enlevé depuis nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.